Allez, salut tout le monde, c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 7 de Mario Kart Wii, la fin du CWF. Donc c'est parti, on va directement en ligne, on se connecte à la Wi-Fi Nintendo. Enfin, on se connectait, hein, parce que c'était avant. Vu qu'encore une fois, je le reprécise, mais voilà, au cas où vous avez pas vu les 6 autres épisodes d'avant. Je commente en différé pour des raisons pratiques, voilà. Parce que c'est un petit peu galère déjà d'une, le fil de mon micro il est un petit peu trop court pour pouvoir pour que je sois devant ma télé, du coup voilà, c'est un petit peu merdique. Mais voilà, d'autres trucs comme ça, du coup voilà. Du coup, accès à la connexion Wi-Fi Nintendo et cet épisode. Il me semble, parce que je sais que quand j'ai tourné, quand j'ai fait les 10 épisodes, je sais qu'il y a un épisode où c'était du gros fail, et je crois que cet épisode gros fail, c'est celui-là. Donc, si vous aimez le fail, c'est cet épisode qu'il faut regarder. Hein. Enfin, je crois. Je suis pas certain que ce soit celui-là, mais je crois. Donc, on va voir ça. Recherche des joueurs. Bon, c'est un petit peu long, hein, encore une fois. Malheureusement, hein, c'est pas génial que ce soit long. Et donc voilà, les joueurs sont trouvés. Ok, donc un japonais, un grec, encore une grecque, un allemand encore. Encore un japonais, il y a que des... Ok, encore un japonais. Et un espagnol, en gros... Il y a un français, un espagnol et tout le reste, à chaque fois, ils sont deux par pays. Enfin bref. C'est assez chelou. Si, non, il y a trois japonais, je crois. Enfin, les japonais, j'ai remarqué, ils sont souvent soit super forts, soit super nuls. C'est au choix. Et là, regardez-moi ça, ils ont tous des bons persos. Ils ont tous la bécane Bowser. Et donc il va y avoir du niveau, il va y avoir du niveau. Parce que bah franchement Bowser Squelette c'est... Pour moi je trouve que c'est le deuxième meilleur perso après Funky. Du coup voilà. Ok, il a fait de la merde le gars. D'ailleurs il joue au Wii Wheel. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok donc voilà, ça c'est le premier. Le gars il fait du surf sur la neige là. C'est pour ça qu'il s'est appelé surf en vrai. Enfin j'en sais rien mais bon. Donc voilà. J'espère que c'est la fin. Ouais si, c'est fini la course là. Voilà, veuillez patienter. Et là, on est parti pour la première course. Que je sais plus du tout ce que c'est la première course. Hein. Franchement, je sais plus. On va voir ça. On va voir ça. Et veuillez patienter, oui. Hein. Bon, c'est toujours un petit peu long. Ça met toujours genre 5 minutes avant que la vidéo elle commence. Parce que bah, il y a toujours un petit temps d'attente. Et donc voilà, surf, le gars là, il est presque au 9999. Donc c'est un balèze. Et il y a plein de 8000, il y a un 7000. Il n'y a qu'un gars qui était nul en fait. Dans cette course, enfin dans cette coupe. Et du coup direct j'ai vu les points que les gens ils avaient. J'ai vu qu'ils étaient super forts. Direct je mets mon circuit fétiche Autodrome Mario, c'est parti. Parce que bah direct j'ai pas envie de perdre. Donc je mets le circuit où je suis le plus fort quoi. C'est clair et net. Du coup voilà. Et c'est retombé sur Pic DK, mais bon, nous c'est la première fois que ça tombe dessus, vu que la première fois, bah on l'a pas fait, on était juste en mode spectateur. Donc voilà, c'est parti pour un petit Pic DK, on va voir si on va gagner. Alors c'est en miroir, ça va être chaud, hein. En miroir. Et là direct le petit champi qui fait plaisir, hop, on prend le rebord. Bim. On passe là. Le petit champi. Et on est premier. Et ça c'est parfait. Bon, plus maintenant. Je me suis fait doubler juste après. Hop, le petit raccourci. On est re-premier.
Donc là c'est parfait, franchement pour l'instant c'est parfait, là c'est une bonne course. Et là, gros fail dans la poudreuse. Mais c'est pas grave, on est toujours premier. Alors là j'ai pas bien pris le truc. Ok, donc il a doublé et là, bim, comme par hasard il me touche. Mais bon c'est pas grave, hein. Toujours deuxième ça passe. Surtout qu'il a pas l'air très fort, je crois que celui qui est devant c'est celui qui a que 5000 points. Non je sais pas, on verra. Alors là ça fait un truc chelou, ça a pas voulu reprendre prendre le rebord. Hop, champignon géant là. Bim, on l'a écrasé en plus, on l'a écrasé. Bon là par contre ça m'a empêché de prendre le raccourci. Et comme par hasard, je me prends la coquille pile au moment où je rétrécis. Ça c'est vraiment de la malchance. Mais bon, on est troisième, c'est pas trop mauvais. Et là, ça a fait un truc encore plus chelou. Et là, ah voilà, là c'était du gros n'importe quoi. Et j'ai failli l'avoir en mode tireur d'élite là. Mais bon, je l'ai raté. Hop, la fake box, on fait gaffe, on se la prend pas. On monte sur le rebord. Le petit cadeau là, qui fait plaisir. Voilà, 3 champis, c'est génial. Hop. On passe deuxième, bim. Ouais, en fait, il n'y a pas trop de fail là, parce que... Ah si, la coquille, elle va tout foirer, je crois. Ah non, même pas. Et ben voilà, ça c'est du beau pic DK, moi j'ai envie de vous dire. Ça c'était du très très bien joué. Ça c'était beau. Enfin, il y avait un fail à la fin du deuxième tour, mais bon, c'était quand même bien, hein. Belle course, je suis arrivé premier, donc bon, tant mieux. Donc voilà. D'ailleurs, pic DK, circuit totalement épique, hein. Circuit totalement épique et... le gars qui était à 9000 points là, il a perdu la masse de points là parce qu'il était dans les derniers. Ouh là là, il a dû rager là, hein. Ouais, dans Mario Kart 8, il y aura un circuit comme ça où on descendra d'une montagne, ça sera encore plus épique que le pic DK, je pense. Parce que le pic DK en fait, on descend et on remonte par le canon. Alors que là, dans le circuit qu'il y aura dans Mario Kart 8, ça sera que de la descente et je pense que ce circuit, je vais le kiffer et qu'il va être épique. D'ailleurs, Mario Kart 8, plus que 4 jours, les gens. 4 jours, et on l'a. Et encore, hein, si ça se trouve, il y aura moyen que je le trouve, genre, un jour avant. Mais bon, je pourrais pas faire de vidéo un jour avant, parce que sinon... Sinon, Nintendo, ils vont supprimer ma vidéo, et en plus, j'aurai un truc pas très sympathique. Du coup, je vais éviter, hein, je mettrai le premier épisode de Mario Kart 8 le 30, le jour de la sortie. Enfin, si je peux pas, ça sera le 31, je pense. Mais si je peux, le 30, il y a une vidéo. Hein. Ok, donc là, ça a pas super bien commencé. Alors là, pour l'instant, c'est les circuits de glace. Hein. On a fait le pic DK, maintenant, Royaume Sorbet. Je sais plus s'il y a un autre circuit dans la neige dans ce Mario Kart. Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il y ait d'autres circuits dans la neige. Ouais, il y en a pas d'autres. Donc voilà. Dans Mario Kart 8, il y aura le Royaume Sorbet de la GameCube. Plus du coup le nouveau circuit, donc ça fera deux circuits dans la neige aussi. Du coup voilà, c'est plutôt pas mal. Hop, on prend les petits champis. Ok, je me bouffe le pingouin, c'était minable. Alors, on est dixième, c'est vraiment nul, hein, c'est vraiment nul. Ok, je me bouffe le mur. Là, ouais, cette course, on peut vraiment l'appeler fail, celle-là. Hein. On peut vraiment dire que c'est du fail. Autant celle d'avant, j'avais géré, mais alors elle, c'est du gros n'importe quoi. En même temps, Pic DK, je l'aime bien, mais le Royaume Sorbet 64, c'est pas vraiment super. Alors là, le petit détour pour le champi, parce qu'au final, ça fait gagner quand même un petit peu de temps, même si j'ai perdu du temps pour aller le chercher, j'en ai regagné après. Alors là, la carapace, elle était totalement planquée.
C'était impossible de savoir qu'elle était là. Et là, le gars, là, il me shoot à la b-ball. Bon, c'est du n'importe quoi. On est d'accord, hein, je suis avant-dernier, il n'y a qu'un mec derrière. C'est un petit peu nawak. Voilà, je sais plus combien je suis arrivé, mais en tout cas, c'était assez nul, je crois. C'est pour ça que c'est l'épisode fail. Hein. À part le pic DK, la première course, tout le reste, c'est du fail, je crois. Du coup, on va voir ça. En tout cas, cette course, ça c'est certain, c'est du fail. Mais on va voir les autres. Déjà, au meilleur des cas, je pense que je serai 5ème. Je sais plus combien je suis arrivé, mais en tout cas, c'était pas super. Hein. Ouais, 6ème. Peut-être 5ème, on va voir ça. Peut-être de la malchance juste devant l'arrivée. Je sais pas, on va voir. On va voir. Ouais, voilà, 6ème. C'est quand même très mauvais. Mais après sur 11, c'est sur 11 sixième, c'est pile la moitié, donc c'est pas si mauvais que ça. C'est moyen, on va dire. C'est moyen mais nul, hein, parce que la moitié sur... la moitié, voilà, c'est... l'effort, ils étaient devant moi, tous les nuls, ils étaient derrière, quoi. En gros, c'est ça. Du coup, voilà, c'était petite course fail, celle-là. Enfin grosse plutôt, grosse course fail. Allez, donc on est parti. J'espère que la prochaine course ça sera moins fail que ça. Même si je sais qu'il y a beaucoup de courses fail dans cette partie. Sachant qu'il y a 5 courses je crois, 5 ou 4, on verra. Je sais que j'ai tout le temps fait 5 ou 4 courses. Donc on va voir ça, je sais plus. Je crois que j'ai tout le temps fait 5 mais je suis pas sûr. Le deuxième épisode il y en avait que 4 parce que ça avait coupé. Le troisième, il y en avait que deux parce que ça avait coupé aussi. Mais après, tous les autres, logiquement, j'ai fait 5 courses. Mais j'en suis pas sûr. Du coup, voilà. Du coup, on est plus que 10. Il y a quelqu'un qui est parti. Ouh là, il y a Minwario. Je crois que c'est tombé dessus. On va voir ça. Ah non, 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 c'est pas tombé sur Minwario. Et tant mieux. C'est tombé sur Bois Vermeil. Alors ça, Bois Vermeil, c'est un circuit qui est bien. Il est bien. Mais je sais pas pourquoi. J'ai jamais de chance dans ce circuit. Et donc voilà, c'est tout. J'ai jamais de chance dedans. Allez, donc c'est parti. Quatrième. Bon, en même temps c'est le départ, hein. Il y a tout le monde qui est à côté. Une petite rouge pour qui veut. Voilà, toi surf là. Allez bim derrière. La b-ball, on fait gaffe. Le gars genre il est passé premier avec une b-ball. Non mais allô. Allô, il est passé premier avec une b-ball. C'était totalement what the fuck. En plus le mec il est 3 étoiles. Il joue au We Will. C'est un peu de la merde à prononcer oui oui hein, quand même je trouve. Et voilà, le coquille rouge, comme par hasard j'avais pas d'item derrière moi. Hop. Le petit bloops qui sert à rien évidemment, hein, objet le plus useless de tout Mario Kart. Ça sert totalement à rien. Hein. Ah par contre les CPU, je sais pas, non. Ça leur fait un petit truc, ils ralentissent quand il y a un bloops. C'est totalement pas logique, mais bon. Ok qu'on se mange une banane, ok. Bon, on la voit pas parce qu'il y a le bloops, mais ralentir parce qu'il y a un bloops, mais... What the fuck, quoi. Hein. What the fuck. Enfin, bref. Donc, quatrième. Bon, pour l'instant, ça va. C'est pas si mauvais, vu qu'ils sont juste devant. Ça peut le faire. Surtout avec, avec 3 verts. Hop. What? Le gars, je l'ai touché, mais il s'est pas pris de coquille dans la tête. Alors, ah ouais, voilà. Je tape le gars, déjà, il a une chance de fou, il se prend pas ma coquille verte. Et après, il y a une coquille rouge qui arrive, et comme par hasard, il y a un trou. Et bah,
c'est le trou où je me la prends. Enfin voilà quoi. Ok, là je sais pas pourquoi je me suis pris le mur. C'était nul, enfin bref. Du coup voilà. Du coup je suis 7ème. Mais après aussi c'est parce que bah, les premiers ils jouent bien. Ils jouent bien quand même. Du coup voilà. Il y a contre les gens qui jouent bien, ben il faut du skill mais il faut aussi de la chance. Et là voilà quoi, la chenille qui avance juste devant moi, c'était un petit peu foireux. Là hop, comme par hasard je voulais prendre un item mais il a été pris. Pile l'endroit où j'ai sauté hein, évidemment. Et là, 5ème, est-ce que je vais finir 5ème, 4ème, attention. Et là le champion royal. Et bim, on finit 3ème. Bon, donc ça passe. Ça passe, mais j'ai quand même fait un petit peu de la merde dans cette course, mais ça passe. Ça passe, 3ème, c'est acceptable, on va dire. Ça fait 1er, 6ème, 3ème, voilà, ça fait une moyenne de 3ème à peu près. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et donc course suivante. Non. Elle est vraiment géniale la musique de. Les musiques de Mario Kart, je les kiffe. Ouais. Il y en a vraiment qui sont mais énormes. Enfin surtout les musiques de route arc-en-ciel, c'est vraiment un truc de fou. Hein. Donc voilà, course en préparation. Donc voilà, là il y a plus que d'effort. Le plus nul il a 6000 points, donc c'est pour dire le truc. Donc voilà, hein. Il n'y a que d'effort, Autodrome Mario direct, évidemment. Hein. Je mets le circuit fétiche, parce que bah quand il n'y a que des gens à 8000 points, autant mettre le circuit où on est le plus fort. Hein, parce que si on tombe sur un circuit où on est nul, et ben c'est la fin. Et voilà, et évidemment, ça tombe sur Stade Waluigi. Et clairement, Stade Waluigi, ben... ça glisse parce qu'il y a de la terre et la terre c'est un petit peu merdique avec le genre de moto que j'ai comme en fait toutes les motos qui dérapent en mode moto de course et pas moto de cross donc comme celle que j'ai et ben c'est un petit peu très très foireux de manier ça dans la terre parce que ça glisse très mal et c'est voilà c'est merdique tout simplement. Du coup ben le stade où, Luigi c'est pas génial. Donc voilà. Et là, hop, on passe sur les bandes bleues. Et là voilà. Comme par hasard. Comme par hasard. Je perds mes 3 champis. Et là, bim. Dans la terre. Donc c'est gros fail. Gros fail ce circuit. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est du gros n'importe quoi. Gros n'importe quoi. Hop, une b-ball. Et on passe 5ème. Ah ben non, 4ème, voilà. 3ème même. Donc bon. Là ça va. 3ème, ça passe. Et donc là, j'ai eu de la chance, je me suis pas pris le pot. Mais de toute façon, je l'aurais esquivé, donc je me le serais pas pris quand même. Oula, j'ai failli me prendre la verte. Ouais, donc deuxième, bon, en fait, ça va. Hein. Ça va, mais il y a eu quand même beaucoup de fails au début du circuit. C'est la b-ball qui a fait que je suis remonté. Et là, voilà, là, ça part en gros fail. Voilà, en plus, l'éclair, hein. Bon et le premier je vous laisse regarder sur la minimap mais c'est même pas la peine d'essayer de le rattraper. Il est carrément trop loin. Et là voilà, là c'est total fail. Total fail. Je suis passé de 2ème à 7ème. Voilà quoi. Truc un petit peu pourrave, j'ai envie de vous dire.
Et là voilà, le gars je sais pas comment il a fait ça pour voir pile à quel moment tirer en arrière, mais voilà quoi, voilà, c'est tout. Et donc on finit 6ème. Donc voilà, c'était du gros fail cette course. Pourtant à un moment j'aurais largement pu être 2ème. Mais bon, voilà, c'est, j'ai tout foiré. Donc bon. Et donc voilà, en fait il y aura eu que 4 courses parce que bah là j'ai ragé. Donc voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser de cet épisode fail. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut tout le monde et portez-vous bien.